gratter mon kiki. Ouh, tu en as une mouche. On a une mouche. Top, top, top. Elle tient une compagnie. Allez. Donc, j'ai des épluchures pour une fois, je suis mis là. Alors, les épluchures, elles vont dans la boîte à épluchures, madame. Ah, en plus, c'est une carotte bio. Hop, elle a oublié. Et vous savez que j'ai une assistante aujourd'hui. Hein. Mais oui, j'ai une belle assistante. Alors, vous la voyez de dos. Et on va commencer par faire les partages, si vous voulez bien. Parce qu'il faudrait qu'on ait un petit peu plus de monde qui vienne nous voir. Ce sera encore plus sympa. Donc, on partage... Oh, j'ai jamais partagé sur Instagram, c'est possible? Oui. Voyons voir. Est-ce que ça marche? Faudrait que j'essaye une autre fois. Non. Partager le lien. Hop, rechercher. Enfin, moi, c'est moi que je cherche. Alors, est-ce que je vais me trouver? Si ça marche, ce serait génial. Hop, allez, partager. Hop, elle a écouté. Pas dire des gros mots. Pas bien dire des gros mots. Alors, partager. Non, pas ça. C'est compliqué hein, quand on n'est pas doué. Pas tout savoir-faire. Ouais. Allez, bon, écoutez, j'ai pas réussi à faire les partages cette fois-ci. Il y avait longtemps, j'ai réussi à partager sur. Attends, peut-être que comme ça. Non. Allez, bon, bah écoutez, on y va. Donc, il y a Francine, Mamie Urbanique, Séverine, Sylvie, Sabine, Nathalie qui sont là, Estelle. Qui est encore Marcel, Françoise et tous les autres, Nadine, tous les autres qui vont arriver, on vous dit bien bonjour, bienvenue dans notre cuisine. Donc vous voyez que j'ai Patricia comme assistante aujourd'hui, je suis super contente. Malheureusement l'année dernière elle est venue 3 jours, elle est restée 15 jours et il y avait un temps magnifique. Cette année elle est revenue, j'avoue que c'est pluie, soleil, donc bon, il faut en profiter quand il fait beau. Donc, les recettes du jour sont sorties de la revue Saveur, donc la dernière revue Saveur, du mois de juin, pour celles qui veulent. On va faire une salade de fenouil au jarret de veau et au capre, vinaigrette, de la toque de grand-mère. Voilà. Et pour accompagner ça, on va faire une deuxième recette, qui est un burnt cheesecake. Alors, je vois pourquoi ça s'appelle comme ça. Je suis sûre que quelqu'un va trouver la réponse. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est un cheesecake sans pâte tout autour. Donc, la seule différence avec les recettes qu'on fait d'habitude, c'est que je ne vous présenterai aucune assiette à la fin du live aujourd'hui parce que la viande va cuire très longtemps dans le robot et il va falloir la laisser refroidir. On finira la recette demain puisque c'est une salade et on pourra couper avec le robot le fenouil pour faire toute la salade ensemble. Et le cheesecake, ben vous savez que quand on va le sortir du four, il va être chaud. Et un cheesecake, ça se démoule à froid. Donc, il va attendre toute la nuit au frigo. Et demain, pour celles qui seront là ou celles qui regarderont en replay, vous aurez le résultat. C'est rare que j'ai deux recettes comme ça pour le lendemain. Je la perturbe. Mais comme elle est là et qu'elle est venue manger mercredi soir et que j'ai fait ma recette la plus facile de... Et la plus délicieuse. Voilà, enfin, voilà, je ne me suis pas cassée la tête. Je suis allée chez mon meilleur poissonnier qui est au Halles de Pont-l'Abbé. J'ai commandé 3 kilos de langoustines et il me les a cuites. Donc voilà, j'avais qu'une mayonnaise à faire. Attention, la mayonnaise dans le petit bol, il y en a une qui n'est pas tout à fait. Avec un jaune, ça ne tient pas. Avec deux jaunes, ça tient beaucoup mieux. Donc voilà. Et ben j'ai fait une bisque, voilà, regardez, avec toutes les carapaces, les têtes et tout, vous ne jetez pas et vous faites une bisque. La recette n'est pas sur le robot, je l'ai déjà faite, je l'ai même déjà faite en live, mais à l'époque, je n'avais pas de secrétaire pour m'écrire les recettes. Ah ouais. Donc, je vais la rédiger et je la mettrai dessus. Parce qu'on arrive à la belle saison, vous allez peut-être partir en vacances, vous habitez au bord de la mer et vous achetez des crevettes. On peut le faire avec des crevettes, des langoustines, du crabe, comme vous voulez. Mais plutôt que de jeter, vous savez qu'on ne gaspille rien. Eh bien, on fait une bisque. Alors, ça, c'est une partie. J'avais 3 kilos de langoustines. Donc là, j'ai presque 1 litre. J'ai un deuxième bocal là-bas, pareil. Et j'ai encore toute une série à faire. Donc, vous voyez, avec chaque fois 500 grammes de langoustines. On ne gaspille rien. Voilà, ça vous va? Tout le monde va bien? Alors, bonjour Colette, bonjour Frédéric, Brigitte, Dominique,
Claire, qui c'est qui est encore arrivé? Mireille, Mamie Urbanique, je crois que j'ai déjà dit. Malia, qui partage, qui donne plein de conseils de venir me voir. Merci tout plein, parce que vous êtes parfois sur des groupes et vous trouvez des gens qui ont fait l'acquisition d'un robot ou d'un grill et elles n'ont pas de conseillère parce qu'elles ont vu un code, tout simplement, sur Instagram ou ailleurs. Elles ont cliqué sur le code, elles ont été sur la boutique, elles ont acheté et c'est arrivé à la maison. Et la conseillère, elle a disparu. Elle n'existe pratiquement pas. Donc, résultat, la solution dans ces cas-là, quand vous voyez ça, vous pouvez dire de venir. Mais j'ai pas vendu, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je trouve que c'est important d'avoir du matériel et de savoir s'en servir. Donc, même si ce n'est pas à moi qu'on a commandé, on peut toujours venir voir mes lives, je partage. Voilà. De la même manière que vous n'avez pas le robot, le cook, vous avez un autre robot, que ce soit le Thermomix, le Magimix ou le compagnon, alors sachez que le compagnon, c'est le jumeau. Le compagnon XXL, le grand qui est connecté, c'est le jumeau de Allcook. C'est exactement le même. Il est fourni, le Allcook, avec les wraps qu'on va utiliser tout à l'heure, avec le petit bol qu'on va utiliser peut-être tout à l'heure. C'est bien d'avoir une assistante. Et avec la cuisson vapeur, évidemment. Il est complet. Il est à 1299 euros. Si vous voulez avoir le grill standard en plus, sans les plaques à gaufres, c'est à 100 euros de plus, 1399. Vous avez le robot complet, le grill sans les plaques à gaufres, et vous avez en plus 5 ans de garantie, le sourire de la crémière. Et la mise en service, évidemment, qui peut se faire en visio. Que vous habitiez ici, le Pays Bigoudin, ou n'importe où en France, l'année dernière, vous étiez 83 ou 87 à me faire confiance. Et dans le Pays Bigoudin, ici, je crois que j'avais eu 5 clients. Tout le reste, c'était dans le reste de la France. Et je crois que tout le monde s'en sert beaucoup. Voilà. Donc, il y a juste elle qui a eu de la chance parce que je suis allée à Bordeaux et je lui ai fait la démo à Bordeaux. Ouais. Bonjour Janine, bonjour, qui c'est qui est arrivé? Didi, dans ces jolies montagnes, voilà. Allez, on y va, on attaque. Alors, on commence par le cheesecake pour le cuire. Mon four est à 200 degrés. Alors, puisqu'on commence par ça, on va aller à la bonne page. Hein. Ouais, voilà, de préférence, elle dit. Donc, pour ce faire, il nous faut une bonne gousse de vanille. Alors, attention, la vanille, il y a vanille et vanille, hein. Donc, une bonne gousse de vanille. Sinon, vous avez aussi de la vanille en poudre que vous pouvez acheter. Attention à la qualité que vous prenez parce que parfois, c'est simplement ce que je fais moi. C'est-à-dire qu'ils utilisent les graines, les vraies graines, pour faire des gâteaux, pour faire des desserts. Et ils revendent les cosses vides. Et c'est ça qui est mixé et que vous achetez quand même très, très cher. D'accord. Donc, vaut mieux le faire vous-même. Mmh. Vous achetez des vraies gousses. Vous utilisez les graines. Puis votre gousse, vous la laissez sécher tranquillement dans un tiroir. Quand elles sont bien sèches, eh bien, il me semble que j'ai mis sur l'application du robot comment faire du vrai sucre vanillé. Mmh. Souvent, j'entends le sucre vanillé, je mets ma gousse dedans. Ouais, ben, vous pouvez toujours courir. Hein. Votre sucre vanillé, il n'aura pas vraiment beaucoup de goût de sucre vanillé. C'est alors ça. Que quand vous mixez effectivement vos gousses dedans directement avec un peu de sucre, vous rajoutez plus de sucre. Alors là, vous mettez vitesse 12 ou vitesse 13. Et après, pour faire du sucre vanillé, vous rajoutez la quantité de sucre que vous voulez, un demi-paquet par exemple, et vous mélangez doucement pour simplement mélanger. Parce que quand vous allez mixer votre gousse de vanille, vous allez la mixer très fort et le sucre va devenir du sucre glace. Donc à la base, vous partez de sucre glace vanillé que vous allez mélanger avec le reste de sucre. J'espère que j'étais assez claire. Oui, pour celles qui n'ont pas ce robot-là, vous pouvez le faire dans votre robot de toute façon. Et si vous n'avez pas de robot du tout, parce que c'est des choses qui arrivent, eh bien, dans ces cas-là, alors attends, il faut que je fasse comme ça, parce que je vois qu'il y a un message. Voilà, hop. Pourquoi est-ce que je ne descends pas jusqu'en bas ici? Hop, bon, écoute, non, c'est bon. Il n'y a pas le bas de l'écran. Ah, ça y est. Ça y est, j'arrive à voir le bas de l'écran quand même. Hop. Voilà. Hop. C'est bon. Donc, oui, vous prenez un moulin à café. Ça va très bien aussi. L'autre, vous pouvez tout à fait mixer avec un peu de sucre dans le moulin à café. Après, vous nettoyez votre moulin à café parce que le sucre, ça a tendance à coller un petit peu. Hein. Donc, vous faites attention à ça. Donc, allez, nous, on vire l'écran. Le clavier. Alors, là, où est-ce qu'on est ce côté, voilà, là. Ça, c'est bon. Le clavier, on le vire derrière pour être tranquille. Et puis, ben, j'avais pris une petite planche. Vous prenez la pointe d'un couteau. Vous allez couper
la gousse de vanille, comme ceci. Pas complètement, hein, vous n'allez pas sur la deuxième peau. Voilà. On l'ouvre. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait faire ça aussi dans un simple saladier, hein, ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un robot. L'avantage d'un robot, c'est que ben, il sait faire plein de choses et qu'il me remplace pour beaucoup de choses. Alors, on va la faire parler. Comme ça, ça va me... Elle va vous dire ce qu'elle fait avec son robot et son grill, d'ailleurs. Ouh, mais je fais tout. Voilà. Ben, ça m'énerve. Et tout le monde sait que ça m'énerve. Parce que, vous voyez, les graines, j'ai bien des graines dessus. Donc, ça, c'est de la vanille que j'ai rapportée de... Maurice. De Maurice. Il n'y a pas de couteau. Voilà. Il n'y a pas de couteau. Mais tu sais ce qu'on va faire? On ne va pas mettre un couteau. On va mettre un fouet. Parce que comme ça, ça va bien émulsionner. Ça va fouetter. Ça va fouetter. Alors, vous avez deux fouets possibles, suivant la quantité. Vous avez soit le fouet double, soit le fouet. Alors, celui-là n'est pas fourni avec. Il suffit d'aller sur la boutique et vous mettez mon code et vous pouvez vous offrir ce fouet-là qui arrivera directement chez vous. Il est double parce que, et en plus, il tourne comme ça et en même temps, ça tourne sur lui-même. Il est génial pour monter les blancs. Il est génial aussi pour faire les yaourts. J'ai ma recette de yaourt dessus. Donc, vous pouvez trouver ma recette. Alors, pour voilà. Les personnes qui ont un compagnon, par exemple, évidemment, vous n'avez pas l'application du All Cook. Mais si vous avez besoin de mes recettes ou des recettes que je fais, eh bien, vous me demandez et je vous enverrai en un message privé. Vous me le demandez en message privé pour pas que ça sème la zizanie. Vous me demandez les recettes et je vous mets les recettes. Voilà. J'ai la chance d'avoir une super secrétaire qui est ici, qui est en vacances. Donc, les recettes... Aussi. Pour l'instant, vous les aurez pas, mais sinon, toutes les recettes que je fais au robot, ouais. C'est elle qui gentiment les transcrit après sur l'application. Donc ça, c'est pour ce qui est blanc, pour les yaourts, pour les meringues, c'est génial. Et ça, c'est celui qui, de toute façon, est génial aussi parce qu'il est grand dans un grand bol. Eh bien, il vous permet de bien mélanger. Donc, voilà. Ensuite, il va falloir qu'on rajoute du sucre roux, 75 grammes de sucre roux. Vous n'avez pas de sucre roux, ben vous mettez du sucre blanc. C'est pas grave, mais sachez que le sucre blanc, c'est un sucre qui a été travaillé. Alors que le sucre roux, ça reste un sucre qui est beaucoup plus naturel. C'est bizarre, on le paye plus cher alors qu'il y a eu moins de boulot. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, il nous faut 3 œufs. Alors, la recette est avec beaucoup plus de matières premières. Mais vous savez que mon petit souci, c'est qu'après, il faut que je mange tout ça. Que quand je suis surmontée sur ma balance, là, il y a 3 jours, elle a hurlé. Tiens. Hein, j'ai une assistante, c'est pas pour rien. Je lui ai fait sa disque de pour ce soir. Ouais. Donc, hop. Allez, oh là là. Voilà. Donc, moi, dans mon robot, ben, qu'est-ce que je fais? Par exemple, mes yaourts. Ça, c'est l'idéal. Après, ben, des veloutés, des soupes, des mijotés. Alors pourquoi tu fais des mijotés là-dedans? Parce qu'avant elle avait l'autre robot, le Momo, et en fait comme il faisait des bombes dans la cuisine, qui me réveillait quand, ou qui réveillait mon mari quand il faisait sa petite sieste en fin de journée, et bien du coup le Momix, ben, je m'en servais absolument pas, donc, si ce n'est pour faire mes veloutés. Bon, vu l'investissement, alors c'était le TM31, c'est vrai, mais j'ai jamais réussi à l'utiliser correctement. Celui-ci, le fait qu'il soit connecté, je peux suivre mes recettes à distance, donc je peux papoter avec mes copines et je leur dis, hop, stop, je vais surveiller ma cuisson quand même, ou je vais arrêter, parce que ça va être trop cuit. Donc, bon, voilà, je fais plein de choses. Tout ce que je faisais dans une casserole ou un fait-tout, eh ben, je le réalise maintenant dans le... Dans le robot, et puis quant au grill, et bien alors le grill du matin au soir il tourne, et je l'ai même amené ici en vacances. L'an dernier j'étais en camping-car, il a fonctionné tout l'été. Les 3 semaines que je suis restée ici, ouais, à peu près 3 semaines, et bien j'ai utilisé le grill parce que le robot c'était plus compliqué, mais le grill il a fonctionné non-stop dans le camping. Voilà. Et pensez qu'il y a pas mal de gens qui s'offrent effectivement le grill standard pour l'emmener dans le camping-car. Oui. Et je crois que Xavier qui suit les lives, effectivement, bon là il travaille aujourd'hui, il ne peut pas vous parler en même temps, mais lui, il va me faire une photo ce week-end parce que ça y est, il a son camping-car et il avait pris le grill. Ah oui. Alors, je voulais vous rappeler quand même que nous avons le 10 et 12 fois sans frais, que ce soit pour le grill ou pour le robot, c'est jusqu'au 28 juin.
Attention, c'est à 10h le matin, parce que ça doit être un vendredi, ouais, le 28, et que nous, ben, à 10h, Isabelle, elle coupe tout. Donc, elle, si vous le commandez le 28 à 11h, eh bien, vous n'aurez plus le 10 et 12 fois, parce que pour l'instant, on ne sait pas si ça va être maintenu ou pas, mais voilà, on n'en sait rien. Donc, prenez vos précautions, voilà, voilà. Et... parlez-en autour de vous. Pas. Et si vous avez envie de faire une démo, si vous avez envie d'être gâté, eh bien, invitez vos copines. Vous avez le robot, vous avez le grill, vous invitez des copines. On fait une démo en visio. C'est vous qui avez les cadeaux parce que vous avez invité des copines. Vous, ça vous fait plaisir, je pense, de partager avec vos amis. Moi, ça me fait aussi plaisir et ça m'aide un petit peu pour gagner le prochain voyage. Je suis honnête, hein, j'ai toujours dit, ouais, bon, je travaille parce que j'aime travailler, j'aime être avec vous, mais voilà, ma récompense, c'est les voyages. Donc, si vous voulez m'aider, essayez d'organiser avec vos amis une démo. Je vais d'ailleurs dans le Maine-et-Loire au mois de le 28, je crois que ça, non, ça doit pas être le 28, le 26, je vais dans le Maine-et-Loire faire une démo. Vous voyez, parfois je me déplace loin. Allez, on va rajouter 330 grammes de Philadelphia. Alors, vous savez que d'habitude, je vous dis, Philadelphia, j'aime pas parce que c'est fabriqué en Allemagne et que je préfère utiliser du Madame Loïc. Maintenant, pour cette recette, pour une fois, je me suis dit, bon, allez, hop, on va vraiment suivre la recette. Parce que le dernier que j'ai fait, il était un petit peu liquide. Donc, j'espère qu'en suivant bien la recette, cette fois-ci, ce sera bon. Allez, hop, encore un petit peu. Je suis exactement les proportions. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'œil de Moscou à côté qui vérifie. Hein. L'œil de Moscou va dire, oh, t'as mis 3 grammes en plus. C'est vrai que j'ai mis 3 grammes en plus. C'est pas grave, là. Hein. Hop. Voilà. Hop, 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 ça. Ensuite, on va mettre de la crème fraîche épaisse. Alors, la crème fraîche épaisse, vous allez à la crème Malo. Vous savez que j'ai, bon, pas un partenariat, mais que je travaille avec le Gal qui fait le beurre et la crème. Liquide, fraîche, c'est la même que la Super U au rayon frais. Et en crème épaisse, vous avez Malo qui fait une crème épaisse. Donc ça, c'est le pot Malo. Vous n'êtes pas sûr de la trouver. Par contre, à grand frais, eh bien, vous la trouvez sous ce nom-là. Crème fraîche entière épaisse. Et vous savez que pour reconnaître un produit, vous regardez le petit ovale ici qui vous dit où est-ce que c'est fabriqué. Alors, si je prends les deux côte à côte, j'ai bien FR France. 35, voilà, c'est Saint-Malo, évidemment. Ensuite, vous avez 288, c'est le code de la ville de Saint-Malo. Les enfants qui sont nés à Saint-Malo, ils ont le même code. Le code de sécurité sociale, c'est le même que la crème. Il faut savoir ça. Et ensuite, vous avez le numéro de l'entreprise, 001. Voilà, donc ça et ça, c'est pareil. Je vous la montre. Si vous avez un grand frais et que vous ne trouvez pas les Malo, eh bien, vous pourrez prendre ça. Donc, il nous faut un pot. Ah, c'est sûr que ce n'est pas didactique, mais on a dit qu'on faisait le repas pour la fête des pères. Hein. Donc, vous voyez que... Oups là, j'en ai chiclé partout, mais si j'en mets pas partout, c'est pas moi. Hein. Ah oui. On est bien d'accord. Hein. C'est ça. On est d'accord. Bah, j'ai changé de chemisier parce que ce matin, j'ai cuisiné sans tablier et j'en ai foutu partout. Voilà. J'aime pas la crème en plus. Voilà. Je laisse, mais j'aime pas la crème. J'aime pas la crème. Il nous faut... une pincée de sel. Une pincée de sel. Hop, voilà. Donc là, j'ai pas mis du sel aux épices, machin, bidule, truc. Hein. Donc, eh ben, on a tout mis. Elle va fermer le robot. Voilà. Vous voyez comme c'est simple. Et ensuite, elle va le tourner un petit peu vers vous. Et elle va voir comme c'est facile de faire les choses pas à l'envers. Du pas du tout. Donc, on va se mettre en mode manuel pour l'instant. Donc, quand la recette après sera sur le robot, évidemment, cette recette-là, vous n'aurez plus marqué mode manuel, mais vous aurez effectivement la bonne vitesse et les bonnes températures quand il faut ça. Donc, nous, on va mettre... allez, on va mélanger. Avec le batteur, on peut alors, pas aller au-delà de... 7. 9. Oui, moi, enfin, moi... Oh, avec les fouets, vous 7. N'allez pas au-delà de 9. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Hein, c'est marqué là. Maximum 9. Ah bon, moi, maintenant, il faut chausser 7, ses yeux. Hein. Ouais. Voilà. J'avais pas lu. Elle n'avait pas mis les yeux, hein, évidemment. Hop, allez, on est parti sur 9, hein, comme on y est. Voilà. Et après, ben, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on va mettre ça dans la moule. Alors, vous allez choisir le moule. J'ai le moule étoile ici, par exemple. Alors, dans la recette qui est dans Saveur, ils nous disent qu'il faut pas beurrer, mais mettre une
une feuille dedans. Bon, on ne va pas mettre de feuille, on va espérer que ça va aller tout seul. Hein. C'est pas pour que ça colle, mais les deux moules génoises. Et l'autre moule que je vous propose, c'est un silpat, c'est celui-là. Donc parce que c'est un moule tout rond, tout simple, avec des parts dessinées. Quand vous faites un gâteau là-dedans, si vous le retournez dans l'autre sens, ce qui ne sera pas le cas là, ça doit être bon. Hein. Hop, on arrête. Eh bien, ça vous fait des jolies parts. Donc, c'est aussi un moule qui est très sympathique. Donc, ça, c'est sur le site Silpat. Si vous faites une commande pour la... Alors, je crois qu'il y a encore les promos suite au week-end dernier. Hein, donc, vous avez 20 ou 30% de remise. Si par hasard, vous n'avez pas de remise, eh bien, vous avez toujours la possibilité de me demander mon code. Et je vous donne mon code. Et avec mon code, pour la première commande, vous avez toujours une réduction. Voilà. Donc, quel moule vous voulez ? Fontaine à eau, je vois qu'il y a marqué fontaine à eau. C'est quoi le robot blanc derrière vous? Le robot blanc, celui-là, oui, c'est la fontaine à eau, c'est ce qu'elle a répondu. C'est pas un robot, c'est une fontaine qui filtre l'eau. Donc vous n'avez plus de nitrite, de nitrate, de médicaments, de boue, de choses comme ça dedans. Ça vous fait une eau. Alors bon, j'ai nettoyé le filtre il n'y a pas longtemps, mais si vous voyez l'état du filtre. Et bien, dans ce cas-là, l'eau du robinet, vous en boiriez plus. C'est compliqué à dire. Alors, dans lequel elles veulent? Alors, dans lequel vous voulez? Silpat le moule. J'ai envie de faire ma curieuse, d'accord. Fontaine d'eau. Merci Sylvie. Alors, Silpat, Silpat. Batteur. Boum, la boum. Boum, boum. Sylvie, ouais, elle explose tout. Oui, Malia, c'est vrai qu'en ce moment, ça vaut la peine de pouvoir acheter le All Cook parce que vous avez 10 ou 12 fois sans frais. Mais si vous préférez avoir des plus petites mensualités, vous pouvez passer en 24, 36 ou 48 fois. Hein, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que les financements sont souvent un peu compliqués. Ah, de l'autre côté, est-ce que c'est ça que tu vois? Ça, c'est un cuiseur à riz. Et ça, c'est mon deuxième robot, tout simplement, parce que des All Cook, j'en ai deux. Par exemple, pour faire les bisques, je les ai cuits dans les deux en même temps. Alors que, bon, c'est vrai que ça fait 4,5 litres. Les robots, les deux, l'un comme l'autre, ont des bols de 4,5 litres. Et ça, franchement, c'est énorme. Hein. C'est génial. Coucou, Dani. Alors, Silpat, Silpat, Silpat. Ok. Eh bien, écoutez, je crois que... On est parti sur le moule Silpat. Donc celui-là. Allez, on range celui-là. Vous savez que dans les moules Silpat, comme les moules Flexipan, ils sont fabriqués l'un comme l'autre à Wavrin. J'ai eu la chance la semaine dernière, dimanche dernier, de vous faire des démos directement de là-bas et de visiter l'usine. Donc, il faut savoir que les moules Silpat, c'est pas tout à fait le même tissage de fil de verre qui est à l'intérieur. Ils sont plus perfectionnés que les noirs encore. Mais ils collent pas plus. Et la silicone... Et de même qualité, c'est du très haute qualité, rien à voir avec les moules en silicone que vous pouvez trouver dans le commerce, hein, évidemment, ou d'autres moules X ou Y. Alors, ça sent bon. Je peux vous dire qu'avec la graine, il y a de la graine. Il y a de la graine. Hein. Ouais. Alors, voilà, allez, on va verser directement dedans. Tiens, alors, hop. Par contre, il te faudrait une grande spatule, peut-être. Voilà, parce que Dudule, là. Dudule, la spatule. Et sa spatule. Allez. On prend la spatule tube. Vous savez que si vous avez besoin de produits tube, vous pouvez vous adresser à Nathalie Tube. C'est elle qui... ou alors, si vous avez votre propre conseillère. Mais si vous n'en avez pas, moi, je vous conseille Nathalie. Elle fait des lives. Ils sont toujours très marrants, très sympas. Et elle vous présente souvent des recettes sans œufs ou sans gluten. Parce qu'il y a des histoires d'allergie. Donc, je trouve que c'est sympa de... d'avoir des recettes comme ça. Allez, pour laver le bol après, on remet le fouet dedans. Elle est en train de le laver, je parie. Et on remet simplement le fouet. On met sur le programme nettoyage, parce qu'il y a plein de programmes qui sont intelligents directement dessus. Vous appuyez dessus, la température va monter à 80 degrés. En 4 minutes, votre bol sera lavé. Il n'y a plus qu'à le rincer. Est-ce qu'il va au lave-vaisselle le bol? On pourrait le mettre au lave-vaisselle, c'est marqué que oui. Mais franchement, vous voyez que dessous, il y a de la technique. Moi, je ne le mets jamais. Et puis, ça prend plein de place, finalement. Donc, l'auto-nettoyage, c'est absolument parfait. Si, comme on en parlait tout à l'heure, vous voyez que ça a un peu accroché, vous pouvez y aller à la paille de fer. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est de l'inox. C'est du linox de très bonne qualité. Donc, vous pouvez faire ça. Sinon, une fois de temps en temps, vous pouvez mettre un peu de poudre de lave-vaisselle et faire votre nettoyage avec de la poudre de lave-vaisselle. Mais je trouve que c'est assez caustique. Voilà. C'est bon? C'est bon.
Allez, on verse, on remplit bien tout. On tapote pour que ça rentre partout. Là, c'est un moule qui est plat avec des petits décors. Mais si vous avez un moule avec des petites empreintes, pensez toujours à bien tapoter. Donc, vous voyez, ce qui est très important sur votre moule, que ce soit un flexipan ou un silpan, c'est écrit en grand « Made in France ». Donc, vous êtes tranquille. Ils sont tous maintenant, il y a eu une période où effectivement, ils étaient... Allez, je vais mettre au four. Hein. Je cause. Hop. Donc, four 200 degrés. Four 200 degrés pendant 35 minutes. Voilà, allez, 30, 35. C'est parti, mon kiki. Oui, il y a eu une période où effectivement, les moules flexipans étaient fabriqués pour certains en Chine. Mais avec la silicone qui venait de France, les matrices qui venaient de France, il n'y avait que la main-d'œuvre qui était chinoise et c'était à la demande d'une certaine entreprise, pas de la Maison de Marle. Hein. Donc voilà, ça on oublie, il n'y a plus rien chez Maison de Marle qui est fabriqué en Chine. Tout est fabriqué en France, Cocorico. Je suis très fière de pouvoir travailler avec eux. Voilà, donc ça c'est le résultat normalement du gâteau. Hein. Voilà, où est-ce qu'il est? Là. Et vous voyez qu'il y a un petit coulis à faire avec. Donc moi ce que je vous propose, c'est on va faire le petit coulis, comme ça il sera fait pour demain. Et le coulis, eh bien, on va utiliser... Oh, c'est génial parce que j'ai même pas besoin de chercher un autre. Elle a tout ce qu'il faut. Le petit coulis, on va le faire avec... Dans. Le petit bol. Et là, normalement, vous avez Frédéric qui met... Youhou, le petit bol. Voilà. Donc, le petit bol, il est en cadeau avec le robot. Donc, pour l'instant, il est toujours en cadeau. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, ça, c'est quand même... ça fait à peu près un peu plus de 100 euros. C'est un beau cadeau qu'on vous fait quand vous offrez le robot. Hein. Quand vous prenez le gris, il y a aussi un cadeau. Et ça dépend si vous prenez le standard ou le XL. Il y a deux types de gris. Alors, dans mon petit bol, je vais mettre 150 g de myrtille, donc fraîche ou congelée. Moi, j'ai pris des fraîches pour pouvoir faire ma déco et des congelées, puisqu'on va faire une sauce. En plus, c'est des myrtilles sauvages. Ce n'est pas des myrtilles de compétition. Malheureusement, celles fraîches, eh ben, c'est des myrtilles qui sont de culture. Ça, c'est des sauvages. On va rajouter dedans, que je ne dise pas de bêtises. Tuk, tuk, youpi, le petit bol. Oui, Frédéric, je vois. Patricia, plus vite que son nom. Exactement, Patricia, alors plus vite que son nom. Ouais. Voilà. On va rajouter 60 g de sucre roux. Alors, dans la recette, je ne sais pas si c'était du sucre roux ou du sucre blanc, je m'en fiche, moi j'utilise du sucre roux. Mais alors, dans la revue, ils ont mis tous les ingrédients pour le cheesecake, sauf le sucre. Ah. Donc, c'est moi qui ai adapté et qui ai cherché pour le sucre. Et on va mettre des framboises. Hop, on va mettre 150 g de framboises. Youps. C'est-à-dire, la boîte, on ne pèse pas. Hein. Bon, non, on ne pèse pas. Hein. Non, parce que, pour tout vous dire, il n'y a que 125 g. On met le petit bol dedans, tout simplement. On rajoute le couvercle. Alors, pour elle, c'est très, très haut. Pour moi, c'est déjà haut, ouais. Surtout avec mon épaule. Mais bon, mon mari m'a shooté au corticoïde hier soir et ce matin. Donc, je peux lever à peu près mon épaule. Voilà. Il faut que ça soit mixé. Oh, pas autant. Ah, tu veux combien? 8? Non. 9, c'est très bien. Ah, bon, j'étais à 8, 9. Allez, on y va. Hein. On y va. Donc, soit vous lui mettez un temps de mixage, soit vous n'êtes pas obligé de mettre un temps de mixage, mais comme c'est transparent, eh bien ça vous permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le... il faut que je lui mette un escargot. Mais bon, il faut dire que le robot, là, on l'a dirigé vers vous, ouais. Plus proche. Ouais. Normalement, il est plus près de, ouais, du plan de travail. Et puis, plaque, Là, il y a deux hauteurs. Ouais. Vous savez que normalement, je mets ça sur le plateau tournant de chez IKEA, pour pouvoir le tourner vers vous, donc ça déjà c'est plus haut, et là j'ai en plus sur la plaque de cuisson, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un grill et un robot, la plaque de cuisson vous pouvez la condamner parce qu'on s'en sert plus du tout. Moi, les pâtes, le riz, tout, vous faites tout dedans, les pommes de terre, ah. Vous allez les faire là-dedans. Ah, les pâtes, j'adore faire mes spaghettis là-dedans, parce que c'est rigolo, on les voit tomber, mais j'adore aussi faire mes one pot pasta là dans le grill, mais c'est génial, vraiment, vraiment, hein. Je ne l'ai pas payé. Non, non, je ne demande rien, moi. Juste de la sympathie, hein, du partage, de l'échange. Et du respect. Ouais, ça aussi. Ça, ouais. C'était d'office, c'est ça.
Alors, ensuite, donc, est-ce que j'ai mis une minuterie? Oui, j'ai mis la minuterie, donc le gâteau, on s'en fiche. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre le grill en route, et parce qu'on va faire... on va faire cuire du jarret de veau. Donc le jarret de veau, je l'ai acheté et je ne le laisse jamais dans les emballages. Je l'ai pris chez le boucher en plus, donc dans des papiers, des machins. Vous le mettez toujours. Pourquoi elle se casse la vie? Un marche-pied pour Patricia. Ouais. Moi, avec 1m51. Ouais, c'est ça. Quand tu vas venir à la maison, je le mettrai plus bas, promis. Encore faut-il que tu viennes, Frédéric. Oui, donc la viande, elle est sous Zwilling, qui est l'appareil que j'utilise pour mettre sous vide. Vous voyez qu'il y a des... Oui, ça, c'est... Ça, enfin, bon. Vous voyez qu'il y a des plats de plein de formes. D'abord, c'est du verre, mais vous les avez aussi en plastique. Alors, en plastique alimentaire, c'est allemand, donc vous avez la qualité. Et je trouve que c'est bien les plats rectangulaires. Si vous voulez préparer d'avance, par exemple, des lasagnes, vous pouvez les préparer, vous pouvez les laisser au frigo, et ce plat rentre dans le grill, dans le plat de cuisson du grill. Donc ça, je trouve que c'est assez génial, parce que, est-ce que c'est dans celui-là que ça... Vous voyez, si besoin, bon, sans couvercle, ben vous pouvez le mettre directement dedans. Donc ça vous permet de faire ce qu'on appelle du batch cooking. Vous préparez vos lasagnes ou votre gratin de pommes de terre ou ce que vous voulez dedans. Et puis après, vous pouvez juste réchauffer là-dedans. Ah, dans le plat, juste pour leur montrer le coulis. J'ai une assistante, c'est trop bien. Le coulis, alors je suis pas douée avec les photos, ça vous avez dû vous en apercevoir. Penche encore sans tout renverser. Pap, pap, pap. Voilà, c'est bon. Estelle, t'as fait la photo? Donc ça, c'est pour demain. Ça, ce sera pour demain. Okay. Salut Sandrine. On peut le laisser là-dedans. Bonjour Corinne. Ouais. Bonjour Christine. Il y a plein de gens qui sont arrivés depuis. Ben, merci toutes les personnes qui peuvent arriver. Parfois, vous ne recevez plus les notifications, donc il faut refaire une demande de notification. Et c'est les amis aussi que vous invitez. Pour inviter des gens, soit vous partagez le live sur votre mur, tout simplement en dessous du live, il y a marqué « Partager ». Vous cliquez dessus, ça va sur votre mur. Soit vous avez des groupes où vous êtes, que ce soit un groupe de cuisine, de couture ou de village ou n'importe, vous partagez sur tel ou tel ou tel groupe, c'est ce que je fais en début de live, parce que c'est ce qui permet de faire connaître les grilles et les robots. Ah, voilà, on n'est pas des... Dans notre team ici, on n'est pas des égoïstes, on est des partageuses, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, on tourne la page et on va faire notre salade de fenouil au jarret de veau et au capre. Avec une petite vinaigrette. Alors, saisir les morceaux de jarret dans le grill. Le grill, tu peux nous le mettre en route sur... En route sur quoi? Sur bœuf. Ok. On va juste faire saisir. On ne veut pas faire cuire la viande parce que la viande, après, elle va cuire pendant une heure et quelques là-dedans. 1h45, normalement, elle va cuire là-dedans. Alors, comme dans le robot, ça cuit plus vite, c'est 1h45 dans une gamelle classique. Et ici, je pense qu'en une heure, ce sera fait. Ah, voilà. Vous voyez, ça sert d'être petit. On te voit pas. On la voit pas, elle est passée dessous, là, sous le téléphone. Alors, pour ce faire, on va faire saisir les morceaux de jarret. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais huiler un petit peu ma grille, parce qu'il faut huiler les morceaux de jarret. Donc, ce que je peux faire... Où est-ce qu'elle est, ma viande? Là. Elle est sous mon pied. Il y a plusieurs possibilités. Soit je... Hop, voilà. Je mets les épices. Alors, les épices... Je vais mettre Aromix parce que dans Aromix, vous avez des bons arômes parfumés et du sel de Guérande, du bonheur à saupoudrer dans les légumes, les salades, les viandes et les sauces. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous dis toujours ce qu'il y a dedans. Il y a de l'ail, de l'échalote, de l'origan, du basilic, du poivron rouge et de la ciboulette, du sel de Guérande. Et voilà, il contient des sulfites. C'est précisé qu'il contient des sulfites. Les sulfites, c'est dans l'ail, dans le poireau et dans l'oignon. Et dans le vin. Bon, voilà. Vous savez que moi, le vin, c'est pas mon truc. Hein? Donc, il y a un gros trou et il y a un petit trou. Là, en l'occurrence, j'ai pris le gros trou. Il nous faut ça. Qu'est-ce que je me suis dit que j'allais mettre d'autre là-dedans? Hop, voilà. Ah oui, de l'huile. Donc, mets de l'huile. Alors, on aurait aussi pu mettre un petit peu de mitrio dessus. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile. Alors, ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire d'avance. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. On va quand même fermer hermétiquement parce que comme je vais secouer, je risque de tout lâcher. Surtout avec mes épaules en ce moment qui sont...
pas trop. Et Simone, appuie. Simone, appuie sur le nez de Frédéric, même pendant le live. Hop, allez, secouez-moi. C'est pas bon pour les épaules, ça me fait très mal. Mais, hop, vous voyez, voilà. Là, j'ai fait le vide, hein, de nouveau. Donc, si j'avais fait les choses, mais vous n'auriez pas vu, je fais ça aujourd'hui et je fais griller dans une demi-heure ou dans un quart d'heure. La marinade, elle aura bien imbibé les aliments. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement remettre de l'air dedans. Vous entendez? Ça fait pchit. Voilà. Ça dégonfle. Et là, on va pouvoir aller poser dès que c'est chaud. Parce que là, pour le coup, le grill, comme on s'est mis en mode automatique, on va attendre que le préchauffage de bœuf soit terminé pour pouvoir poser la viande. Certaines qui ont zéro démo ouvrent le grill, mettent la viande ou les saucisses ou le machin ou le truc ou le bidule, ferme et veulent appuyer, et évidemment, ce sera jamais en mode automatique. Pour être en mode automatique, il faut que votre grille avec les grilles soit complètement fermée et que vous mettiez en route sur la viande ou le poisson comme vous voulez. Si vous voulez du surgelé, vous appuyez aussi sur surgelé et vous attendez après, vous appuyez sur OK et vous attendez que la petite lumière du préchauffage soit terminée. Tant que ce n'est pas terminé, vous n'ouvrez pas le grill parce que vous n'allez pas cuire à la même température un poisson qu'un burger, qu'un poulet, que du bœuf. Donc c'est pour ça que. Et la hauteur. Qu'il faut attendre que le préchauffage soit terminé avant de poser quelque chose. Parfois j'ai des messages qui me disent Frédéric, mon grill il ne marche pas parce que quand j'ai mis mes trucs, ça clignote. Alors, pourquoi est-ce que ça clignote? Vous savez répondre. Eh bien, parce qu'elle n'a pas attendu le préchauffage, tout simplement. Quand vous avez le plat de cuisson, par contre, vous ne pouvez pas faire de la cuisson automatique. Allô, Frédéric, j'arrive pas à cuire mes saucisses. Ça ne veut pas marquer saucisses sur le XL. Alors, je me déplace. Bon, c'était tout au début, hein, il y a 4 ans et demi. Maintenant, je pose des questions, hein, je ne me déplace plus autant. Mais surtout quand c'est à l'autre bout de la France. Donc, je dis, est-ce que tu as les grilles ou le plat de cuisson? Ben, j'ai le plat de cuisson. Le plat de cuisson ne se met qu'en mode manuel. Mode manuel, c'est vous qui réfléchissez, c'est nous qui réfléchissons et qui calculons la température et la durée. En mode automatique, la durée va se faire automatiquement. Là, ce qu'on veut, c'est juste dorer un petit peu nos tranches, c'est tout. On ne veut pas les cuire parce qu'elles vont cuire après là-dedans. Voilà. Voilà pour les explications. Donc, là-dedans, par contre, pendant ce temps-là, on va râper une carotte. Donc, je vous rappelle que le grill est fourni, le robot est fourni avec les râpes. J'ai fait une petite vidéo ce matin, je l'ai rappelé. Donc, vous avez ce petit socle, ne le jetez pas quand vous ouvrez votre carton, hein, c'est mieux. Hein. Et puis, vous avez des petits trous pour attraper vos grilles, pour ne pas vous blesser. Et moi, j'aime bien mettre les grilles qui sont les plus coupantes en dessous, avec sur le dessus les râpes et pas la lame qui peut faire les... Alors, ça fait les gratins dauphinois, le concombre, des choses comme ça. Donc, toujours la lame qui coupe le plus dessous. Vous avez une lame recto-verso fine, une lame recto-verso plus épaisse. Et celle-là qui sert à faire le parmesan, ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous verrez, je vais faire un petit montage de tout ce que j'ai fait ce matin. Parce que oui, vous croyez comme ça, mais je travaille beaucoup. Donc là, on va râper les carottes. Pour ce faire, dans le carton, vous avez aussi ce petit bidule qu'on pose tout simplement dessus. Et on râpe les carottes en rondelles. Oui, en rondelles. Allez, en rondelles, donc dans ce sens-là. Vous avez entendu? Elle va pouvoir poser la viande. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, le grill, il est aussi un peu bancal parce qu'il est aussi sur une plaque tournante. Hein, parce que par moment... Alors, normalement, il faut que la viande fasse pas plus de 4 cm d'épaisseur et un minimum de 2. Je ne sais pas comment ça va le faire là, mais on va tenir les pouces. Si ça fait plus de 4 cm, le problème, c'est l'os. J'aurais pu enlever l'os, mais bon. Allez, ensuite, vous avez ça, c'est ce qui va avec les râpes. Donc ça se met à la place du couvercle et vous pouvez le tourner comme vous voulez, comme ceci, soit pour les gauchers, soit pour les droitiers. Pour se fermer, c'est la petite flèche qui se met flèche contre flèche, on pose et on ferme tout simplement comme ça. On enlève le poussoir, voilà, appuyez un petit peu pour qu'il démarre, c'est bon? Oui. Perfecto. Et on va y mettre la carotte, parce qu'il n'y a besoin que d'une carotte et des oignons. Alors, vous savez quoi? On va commencer par hop, les oignons dans le petit trou et la carotte dans le gros trou. On va se mettre de nouveau en mode manuel.
Hop, mode manuel. On va augmenter la vitesse. 9. Et on démarre. Hop, voilà. Vous avez vu ma carotte, elle descend tout seul. J'adore. Et tout côté. Elles sont dedans aussi. Et si on veut, on peut finir avec ça. Et voilà, c'est tout. Vous avez vu à quelle vitesse c'est fait? Bah, si je devais rappeler comme ça. Voilà, terminé. Donc, pour ne pas me couper, j'attrape ma grille avec les deux petits trous qui sont ici. J'enlève ça et ça, vous pouvez le laver à la main. Honnêtement, il n'y a pas de raison de le mettre dans le lave-vaisselle. Si vous voulez le mettre, vous pouvez, mais ça ne va pas. C'est remplir le lave-vaisselle pour rien. Donc, voilà. Alors, on en est là. Dans le bol là, râpez la carotte et les oignons. Puis, on va rajouter le bouillon de légumes. Alors, le bouillon de légumes, ben, vous prenez le bouillon de légumes que vous avez. Sinon, vous avez donc la toque de grand-mère. Vous savez que je suis devenue conseillère. La toque de grand-mère. Alors, je n'y avais pas pensé, mais elle m'a dit, mais c'est un avant-goût d'une prochaine situation, peut-être. Donc, ben, peut-être que oui. Peut-être que j'ai anticipé. Mais oui. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Donc, quand vous commandez sur la toque de grand-mère, je vous ai mis le lien avec plein d'épices, plein de produits. Il faut que je le mette en haut. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis et vous allez directement sur la boutique. Vous êtes livré directement chez vous. Je crois qu'à partir de, je ne vais pas mettre ma main à couper parce que j'en ai encore besoin, 49 €, vous avez les frais de port gratuits. Vous avez, attendez, j'ai cherché, j'ai préparé. Vous avez des cadeaux par tranche de 60, 110 €, 160 €, 210 ou 260 €. Donc ça, ne les oubliez pas, c'est à la fin de la commande, on va vous proposer vos cadeaux. Si vous oubliez de mettre les cadeaux qui sont pour vous, c'est pas grave, on vous en mettra d'office. Hein, y a pas, vous n'avez pas de risque qu'on oublie normalement de vous mettre les cadeaux. Et dans les cadeaux, vous avez c'est des petits sachets, pesto rouge par exemple, ou alors ce que je vais utiliser demain, ce que j'ai préparé. Vous avez des petits sachets croque gourmand en salé ou en sucré. On va utiliser demain dans une recette le croque gourmand sucré. Vous avez des oignons frits qu'on va utiliser aussi demain. Elle les a goûtés et Sylvie, elle a mangé le sachet. Vous avez des graines de chia qui sont... Alors, il y a des produits dans la toque de grand-mère qui sont bio, c'est précisé. Alors là, c'est le catalogue, évidemment, complet, mais sur Internet, vous trouvez le catalogue. Et vous allez avoir plein de choses différentes, aussi bien des bouillons comme celui-là. Alors moi, comme je ne fais pas très attention, l'autre jour, j'ai fait une marinade, puis j'ai dit, hop, on y met dedans. C'était un peu trop salé. Pourquoi c'était trop salé? Ben parce que j'ai mis beaucoup trop. Vous avez dessus les proportions qui sont indiquées. Un pot comme ça vous fait 25 litres de bouillon. Vous imaginez 25 litres de bouillon. Allez, qu'est-ce qui se passe? Et le gingembre, Patricia et Frédéric dans le plat. Oh, ben. Il y en a là. C'est pas écrit? Alors, non. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, du sel, de l'arôme, des épices, des plantes aromatiques, donc de la carotte, du paprika, du laurier, de l'oignon, du persil, de la ciboulette, la livèche, du poireau, du poivre noir et du curcuma, un petit peu de farine de riz, du sucre et de l'huile de tournesol. Donc, nous, on va mettre une petite cuillère de bouillon, voilà, et on va y rajouter du liquide, évidemment. Donc, en liquide, il faut que je couvre la viande, donc on va attendre qu'il y ait la viande, c'est bon? Elle triche, Patricia. Je triche, là. Voilà. Donc, vous voyez, les bouillons, il y a plein de sortes. Il y a bouillon de volaille. Vous avez des soupes aussi. Alors, ce n'est pas vraiment la saison, bien que. Il y a les sauces tomates aussi qui sont là. Vous avez, qu'on va utiliser demain, vous avez la vinaigrette ail et fines herbes qui est comme ça. On va l'utiliser demain aussi. Vous avez les boissons glacées. Vous avez plein d'épices. Vous avez vu ce que je vous ai mis l'autre jour. Je pense que tu peux arrêter la viande, regarde bien. La viande, c'était juste pour la faire donner un petit peu. Regarde. Le fecto. Eh bien, voilà. Ouais. On peut arrêter la viande. On va pouvoir la transvaser. Hop, elle ne va pas se casser la tête. Je lui donne directement ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mélangeur. Voilà. Hop. On va mettre le mélangeur. Vous savez que l'avantage du mélangeur qui est fourni avec le robot, c'est que ben, ça ne va pas brûler, ça ne va pas, qu'est-ce que je voulais dire, ça va pas couper votre viande, contrairement à tous les robots. Voilà, tous les robots, je vois pas, voilà. Tous les robots que vous avez, que j'ai eu avant, on ne pouvait pas faire des viandes. Là, on peut mettre, vous allez voir qu'on va mettre la viande. Et demain, quand on va se retrouver à 10 h, vous allez voir que ma viande, elle est restée entière, pas de souci.
parce que ça ne coupe pas, ça mélange, ça s'appelle un mélangeur, tout bêtement. Voilà, donc on va rajouter le bouillon de légumes, les jarrets, on va couvrir d'eau et on va faire cuire à 100 degrés pendant 1h45. Nous, avec le robot, on va mettre que 1 heure, ça suffira largement. Voilà, ensuite, ben, je laisserai tiédir le liquide et la viande ce soir. Et demain, eh bien, on va couper tout ça en petits morceaux. On va faire la petite vinaigrette qui va aller avec. Et on va couper la viande en morceaux. Et on fera la salade de fenouil qui va aller avec. Voilà. Si ce n'est pas une salade de fenouil que vous voulez faire, ben, vous faites autre chose. Mais le fenouil, on va pouvoir le râper aussi, évidemment, avec les râpes du robot. Oh, pétard, c'est lourd quand on a mal aux épaules. Donc là, on a dit qu'on allait couvrir d'eau. Bon, on va passer, on va attendre un tout petit peu. Voilà. Donc, on a déjà mis l'aromix. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Le bouillon, j'ai mis. Alors, quand vous faites une commande, on vous fournit toujours une petite cuillère comme ça. Donc, à force, vous en avez plusieurs. Sinon, ben, vous lavez la cuillère. C'est très bien. Voilà. Ça vous fait des doses. On vous parle de doses de cuillère pour tout. Donc là, vous mettez par exemple une mesurette 20 g de poudre pour 1 litre d'eau. Donc voilà, moi je vais voir combien je vais mettre d'eau dedans. À la rigueur, je rajouterai un petit peu. Hein. Mais je ne mets pas de sel puisqu'il y a déjà du sel dans la préparation. Dans les soupes, dans les consommés, dans l'eau de cuisson des pâtes, dans le riz, pour remplacer le sel dans un assaisonnement de vinaigrette, dans les sauces, bref, partout. Voilà. Donc ça, c'est le bouillon de légumes. Et je peux vous dire que l'autre jour, entre mes deux voyages, j'étais toute seule, je ne savais pas quoi manger. Et ben, je me suis fait un bouillon de légumes tout simplement comme ça. Voilà. Vous avez vu qu'il n'y a pas de « e machin truc bidule chouette ». Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien pour conserver toxique. Alors, on m'a demandé, je crois que l'heure il est 17h50, ça va. Bonjour, elle est passée. Elle passe. Voilà. On m'a demandé pour ces produits-là, si ils allaient, comment il fallait les conserver. Ça, c'est les marinades. Ils sont en promo d'ailleurs. Les trois marinades au choix, vous avez 6 ou 7 sortes de marinades. Sur toute la gamme du catalogue, les marinades saisonnières. Donc si vous prenez 3 pots de marinade, ils sont que à 49,90 €. Vous gagnez donc 5,40 € et ça vous permet de vous offrir autre chose. Hein, voilà. Vous avez une marinade spécifique thym citron qui est délicieuse et qui on ne peut en prendre qu'un pot à la fois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, donc il faut en laisser pour tout le monde. Vous avez les boissons fruitées. Alors, ben, si j'ai le temps, je ferai une boisson fruitée. Alors, c'est bizarre. J'ai ouvert le truc et on avait l'impression que ça ne va pas être très, très culinaire, que c'était de la morora. Mais, mais quand on fait sentir, ça sent super bon la framboise. Ouais. Franchement, donc je vais essayer d'en préparer, mais pour l'instant, vu la température, j'avais plutôt fait. Et à mon avis, avec ça, on doit peut-être même pouvoir faire des sorbets. Je testerai pour vous. Donc, vous avez celui-là. Vous avez la boisson fruitée légère. Légère. Parce que je pense qu'il doit y avoir un petit peu moins de sucre dedans. Ton truc, ça n'a pas l'air de partir. Hop. Si, si, ça manque là. Sinon, on va prendre une autre. Hop. Donc, pour en revenir aux marinades. Les marinades. On m'a demandé si je pouvais les remettre sous vide. Alors, vous pouvez les mettre. La conservation se fait comme indiqué dessus, parce que quelqu'un a répondu que ça se gardait dans le placard. Mais non, vaut mieux les garder au frais. C'est marqué stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur, ça c'est évident. Et se conserve au frais après l'ouverture jusqu'à la date indiquée. Donc, vous la gardez au frais. Si vous voulez la remettre sous vide, on m'a demandé ça. Je l'ai testé. Je réussis à le mettre sous vide dans le swilling. Mais ça dépend des couvercles. Et il faut surtout que ici, ce soit impeccablement propre et que le couvercle ici soit impeccablement propre. S'il y a un petit peu de marinade ou un petit grain ou quelque chose qui reste, ça va fuser tout doucement et ce ne sera plus sous vide. Donc, comment faire? Ça s'appelle le reblop. Donc, vous fermez sans serrer trop, vous mettez dedans, vous prenez le couvercle. Vous avez vu, hein, j'ai préparé ma démo. Hein, et on fait du vide. Voilà. Hop, on appuie dessus. Si le swilling vous intéresse, c'est pas compliqué. Vous tapez swilling et vous allez arriver en France et vous arrivez sur la boutique.
Vous en avez aussi dans les boutiques d'Art de la Table. C'est exactement le même prix que sur les boutiques. Et sur vente privée, par contre, régulièrement, il y a des offres. Et donc, les offres sont intéressantes. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous attendez VIP et vous avez des offres à peu près trois fois dans l'année. Trois fois, ouais. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait le vide. Et elle va entendre le POC. Ouais. Voilà. Ouais. Et le POC, ça veut dire que mon couvercle, si vous regardez bien, il est creux. Voilà. Si la première fois que j'ai fait l'essai ce matin, mon couvercle n'était pas propre. Et donc, il a refait POC dans l'autre sens très rapidement parce qu'il suffit d'un petit peu. Donc, voilà. Donc là, il suffit qu'il ne soit pas propre complètement. Je ne vous certifie pas. Voilà, vous avez compris, que ça va rester sous vide. Ça dépend un petit peu des couvercles. Donc, vraiment très, très propre. Mais de toute façon, ils ne disent pas qu'il faut la remettre sous vide. Donc, vous pouvez la mettre tout simplement dans le frigo. Si vraiment vous voulez du sous vide, vous prenez un pot petit et puis comme ça. Tu le transvases. Soit, soit un pot en verre, soit un pot en plastique. Vous transvasez dedans. Vous décollez l'étiquette, vous la mettez dessus ou vous écrivez avec une petite étiquette ce que c'est, si vraiment vous voulez la garder sous vide. Mais avec le scan du... Avec ça, de toute façon, on n'oublie pas. Hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Les réponses sont données. Si c'est bien nettoyé, à mon avis, ça va tenir, mais tous les couvercles comme ça ne tiennent pas. Hein. Ça dépend un petit peu de la qualité du joint. Donc, si vous voulez découvrir... Pas du joint comme ça, hein. Moi, je fume tous les matins, parce que sinon, je ne serais pas comme ça. Un gros pétard tous les matins, il n'y a que ça de vrai. J'en reviens à la toque de grand-mère. Il y a un kit vacances, si vous voulez, qui peut être pratique pour découvrir, qui est à 29,90€, où vous avez la toque grill, mix grill, en grand. Vous avez un épice à salade. Vous avez la bruschetta toscane. Ça, j'ai déjà, ça fait pas longtemps que je les ai, mais j'ai déjà consommé la moitié du pot, donc... Elle n'est pas gourmande. Ah non, mais la bruschetta toscane, elle est où ? Ma bruschetta, elle est prête pour demain, normalement, plus tard. Là, ici, il y a la marinade à l'ail de l'eau. Ah non, ça, c'est la panna cotta. Voilà, la bruschetta, elle est là. En plus, c'est du bio. C'est bien fermé. Voilà, vous allez voir. Donc, vous mettez dans une sauce tomate, dans une pizza. Demain matin, on va l'utiliser aussi. Donc, vous voyez, mon pot, ben, je suis presque au fond du pot. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extra. C'est en bio en plus, donc c'est sympa. Vous avez aussi toujours les dates de péremption dessus. Je trouve que c'est important. Enfin, voilà. C'est sympa. Tomate, ail, sel, oignon, persil, poivre, amidon, basilic, origan. Peut contenir des traces de gluten ou d'arachide ou de soja. Ça, c'est des choses parce que ben, dans la machine, il y a d'autres choses qui sont passées. Voilà. Donc, bruschetta dans toutes les cuisines. Voilà. On a aussi de quoi faire de la panna cotta. Donc, j'essayerai la panna cotta. Je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant, la panna cotta, on peut aussi la faire directement dans le robot. Mais je pense qu'on la fait dans le robot avec ça. Et après, on est tranquille. Ça va être un dessert facile, rapide, vite fait. Allez, on couvre notre viande. On a dit la viande. Est-ce que j'en aurais mis à côté ? Non, ça va. Pas du tout. C'est presque assez. Ouais, je pense que ça va suffire parce que la viande, de toute façon, elle va se déplacer dedans, délicatement. Donc, voilà. On a mis, ça fait à peu près un litre, donc je ne vais pas rajouter de bouillon. La tatoumi, bouillon de légumes, la toque de grand-mère, les jarrets, 1h45, donc nous, on va se mettre 1h, 100 degrés, laisser tiédir comme ça. Et ensuite, je regardais, c'est la mouche que je regardais. Ensuite, on fera la vinaigrette. Alors bon, ou on l'a fait aujourd'hui, la vinaigrette, si vous voulez. Donc, hop. Mode manuel. Donc, cette recette-là, après, vous l'aurez dessus. Hein. Ouais. Elle va travailler. Ouais. Hein. Parce que là, elle est en vacances, mais il faut pas que... Oui, que ça dure. Non. Allez, 100 degrés. Et là, on ne pouvait pas la passer, question. On ne pouvait pas la passer directement en mijoté. Ah si, allez, voilà. Programme, mijoter, heureusement qu'elle est là, hein. Rissoler, non, mijoter P2, 95, on va augmenter, 95, c'est déjà pas mal, ouais, on va laisser 45 minutes, on va passer à 60, comme ça c'est bien,
Oh, mais si je le refais cuire demain. Ah non, c'est fini. Après, demain, c'est on fini. Va la manger froide. Ah, c'est une viande qu'on va découper et manger froid. Avec le fenouil. Voilà, c'est d'accord. Une salade okay. Fraîcheur. Il okay. Fait tellement chaud d'accord. Qu'il me faut des choses fraîches. Okay. Oui, c'est parti. C'est vrai, il fait tellement chaud. Marche un voilà. T-shirt. Hein. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose? Ben non, ça fait pas de bruit. Pourquoi ça fait pas de bruit? Parce que c'est le robot le plus silencieux du marché. Alors, pour l'instant, le petit couteau mélangeur ne tourne pas, mais vous allez voir que d'ici quelques instants, il va tourner. Ce matin, quand j'ai fait la bisque, enfin tout à l'heure quand j'ai fait la bisque, c'est pareil. Pendant que vous faites une soupe, il n'y a pas un bruit. Non. Est-ce que vous avez besoin de mélanger l'eau et les légumes? Qu'est-ce que ça apporte de mélanger l'eau et les légumes? Rien du tout. Dans une casserole, tu ne le fais pas. Dans une casserole, ouais. On ne le fait pas. Mmh. Exactement. Donc là, c'est pareil. Ça, voilà. Là, il tourne. Je peux vous dire qu'il tourne. J'ai un témoin. Oui, oui, non, mais ça tourne. Zéro bruit. C'est tellement agréable. Ouais. On c'est a tellement... silencieux. Voilà. C'est le robot le plus silencieux ouais. Du marché. Celui qui a la plus grosse cuve. Alors, Magimix a aussi une grosse cuve comme ça, mais n'a pas la balance, n'a pas... Voilà. Donc, il faut être honnête avec tout le monde. Et il faut savoir que l'année dernière, sur les 87 que vous m'avez commandé, plus de 50 personnes ont revendu d'autres robots. Oui. D'autres robots pour arriver à celui-là. Et voilà, elle peut vous dire que elles sont toutes très, très contentes de ça. Donc, profitez de l'offre. Vous avez la possibilité de prendre le robot tout seul. Si vous n'avez pas envie d'avoir les râpes et la cuisson vapeur, vous avez et le petit bol, vous avez la possibilité de prendre le robot nu, juste comme ça. Avec, à ce moment-là, un grill. On peut avoir le robot nu avec un grill ou le robot complet seul, ou le robot complet avec un grill, ou l'autre grill. Il y a plein de possibilités. Donc, profitez avant le 28 d'avoir le 12 fois sans frais. Ouais. Et un robot plus un grill, ça, le grill est à 100 euros. Enfin, franchement, je ne sais pas ce que vous en dites, mais l'année dernière, je pense que sur les 80 et quelques, il y en a bien, allez, on va dire au moins 40, non, même plus. 50-60 qui ont pris avec. Ouais. Pourquoi? Parce que parfois, elles avaient déjà le grand. Mais deux, ils sont qu'à deux. Ils en ont deux. On n'est qu'à deux. Nous, avec mon mari, on a les deux. Ouais. Parce que vous allez faire griller dans un et faire cuire le gratin dans l'autre. Donc, c'est ça qui est pratique. Si vous avez des étudiants, c'est génial pour les étudiants parce qu'ils ont des toutes petites cuisines. Dans le plat de cuisson, vous pouvez faire réchauffer. Eux, ils peuvent recevoir des copains, faire des gaufres, faire des burgers. Vous avez dessus burger, poulet. Vous avez là toutes les possibilités. Donc, vous lui donnez des plats cuisinés à votre petit étudiant. Eh bien, il mettra dans le plat de cuisson et il réchauffe. Au moins, vous êtes sûr de ce qu'il mange. Et ça consomme que 2000 watts. Attention, votre four à vous, il fait 3000 watts. Une plaque électrique, ça fait beaucoup plus aussi. Donc, quelque part, c'est quand même très intéressant. Camping-car, la petite mamie qui a du gaz et qui va faire exploser le quartier. Ouais. C'est pareil, vous lui mettez ça. Vous êtes tranquille, elle se fait sa petite ratatouille dedans. Vous pouvez faire une ratatouille, faites un gratin dauphinois, vous faites une pizza, une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat. On peut tout faire dedans. Non, on ne passe pas à l'aspirateur, mais bon. Non, il y a d'autres sociétés qui peuvent faire ça. Pour les jeunes, c'est surtout vraiment très, 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 très fonctionnel. Et moi, je dirais que c'est même mieux que le micro-ondes. Parce que ils peuvent tout faire réchauffer, une pizza, une quiche, faire leurs pâtes, parce que même on peut faire cuire que des pâtes à l'eau, tout simplement, là-dedans. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Alors, soit je fais mes spaghettis ici, parce que j'aime, mais la plupart du temps, je fais mes pâtes là-dedans. Donc, je mets de l'eau à chauffer dans ma bouilloire, j'installe mes pâtes, hop, sans sel, parce qu'on n'aime pas trop salé. Et je verse juste à couvrir mes pâtes avec l'eau et ça fonctionne super bien. Le riz, c'est pareil. Enfin, toutes les céréales, j'ai essayé, c'est génial. Voilà. Donc, pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour tout le monde, le grill, c'est vraiment... Et je crois que toutes les personnes qui sont équipées du grill en sont très contentes. Alors, vous me regardez, vous êtes équipées du grill ou du robot, eh bien, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour ceux qui se posent encore des questions. Ouais. Et il ne faut pas qu'elles se la posent trop longtemps, la question. Avant le 28. Enfin, bon, après, je reste toujours là, je reste toujours conseillère, vous inquiétez pas. Et vous savez que parfois, la société Allclad prolonge. Mais là, pour l'instant, on ne sait rien. Donc, vaut mieux se faire plaisir avant le 28, 10 heures. Alors, ne me contactez pas à 10h moins 5 parce que ça sera trop juste.
Je devrais même vous dire jusqu'au 27, parce que parfois, mmh. avec les financements, mmh. donc pour les financements, il n'y a pas besoin de 50 000 choses, mais il faut une carte d'identité. Mmh. Voilà, ça c'est mmh. la chose importante. Après, quand vous passez au 24, 36, 48, on vous demande d'autres choses, parce que c'est vraiment un autre dossier de financement qui est fait. Et alors, il y a l'interférence entre les banques. Donc, si par hasard, vous avez 50 000 cartes de crédit, eh bien, ça a tendance à coincer un petit peu. Ouais. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Sur l'année, on a eu un remboursement EDF de 140 euros. Je n'ai pratiquement pas utilisé mon four, si ce n'est pour faire aller peut-être 4 ou 5 gâteaux dans l'année, parce qu'on n'est que deux, les enfants sont grands, ils viennent peu à la maison. On reçoit, mais rarement on fait des gâteaux, ou on fait plutôt sur de l'individuel. Puis c'est souvent les copines qui ramènent les gâteaux, hein, parce que je cuisine, mais j'aime bien aussi qu'elles me cuisinent des desserts. Et on a eu 140 euros et quelques de remboursements. J'ai vraiment été hyper contente. Donc vraiment, j'ai vraiment réduit ma conso électrique. Il a pas sonné le coucou ? Encore ? Tiens ! Bah si ! Non, mais c'est y a qui sonne là. C'est lui hein, qui sonne. Hein. Hop. Alors, ben, comme on a parlé bien, eh ben, on va pouvoir sortir je comprends ça, le cheesecake. Donc, vous allez quand même voir le cheesecake. Hop. On va laisser refroidir. Allez. Ah, il est pas mal, hein. Vous voyez ? Bah, il se tient, hein. Et pour voir si c'est cuit dans un moule, vous tirez sur le côté. Alors, je vais me cramer les... Que je vienne le faire. Hop, peut-être. Voilà. Vous tirez sur le côté comme ça. Voilà. Et quand vous tirez, eh ben, vous voyez que ça se décolle tout seul. Non, c'est bon. Ouais. Te brûle pas parce que... Non. Alors, le moule, pour l'instant, il est chaud. Je peux quand même le tenir. Mais au bout de... Ah, j'étais pas dans l'axe. Au bout de quelques minutes, il refroidit et on pourra démouler. Là, ils nous disent de le laisser complètement refroidir dedans et de le passer au réfrigérateur. On le servira demain, je vous le montrerai donc demain, avec le coulis de fruits. Voilà, c'est une idée de cadeau pour la fête des pères, enfin de cadeau, de recette pour la fête des pères que vous pouvez faire et vous n'êtes pas dans votre cuisine à la dernière minute. Donc, vous voyez que le démoulage, ça va être, hop, on voit bien, hein, rien ne colle dans un flexipan ni dans un moule silpate. Ce sont les mêmes produits, ils sont fabriqués dans la même usine à Wavrin, c'est du Made in France. Là, vous le voyez encore mieux marqué Made in France. Voilà. Donc, on va le laisser bien refroidir sagement. Comme vous voyez, 35 minutes le temps de cuisson, c'était parfait. Il n'y a rien à redire. Le four, je l'ai arrêté. Ça sent super. Notre... Vous voyez, ça ne fait pas de bruit. Hein. On ne parle pas plus fort. C'est sûr que quand vous râpez, ça fait plus de bruit. Mais même quand vous le mettez au maximum, c'est-à-dire vitesse 12, eh bien, c'est moins bruyant que tous les autres robots. Vous avez vitesse 12 qui est en continu, vitesse 13 qui est par intermittence. Vitesse 1 et vitesse 2, ça va mélanger, mais par intermittence. À partir de la vitesse 3, vous mélangez en continu et plus vous augmentez, plus ça va aller vite. Voilà. Il est parti, le coucou. Il n'a pas sonné, le coucou, vous êtes sûr? On parlait toutes les deux, je m'en suis pas rendu compte. Je lui ai fait peur. J'ai dû lui dire, ta gueule. Non, non, mais il a sonné les autres jours, donc c'est qu'il est là. Tout à l'heure, il a sonné, oui. Quand il était 5 heures. Enfin, même un peu avant. De toute façon, il ne sonne pas la bonne heure, parce que là, il est 6h, il est 5h15 dessus. Ouais, non, donc, on verra s'il ressonne. Mais de toute façon, il faut qu'il aille chez le docteur, parce qu'il ne sort plus. Normalement, il sort le coucou, mais là, il ne sort plus. Donc, voilà. Et bien, pour ce soir, je pense que c'est tout. Je vous ai parlé de la toque de grand-mère, je vous ai parlé des moules flexipans, des moules silpates. Vous allez sur les sites flexipans, je crois qu'il y a encore les promos, donc profitez-en, c'est 30% de remise, vous êtes livré chez vous. La toque de grand-mère, vous allez sur le site grâce à mon lien, vous êtes livré chez vous aussi. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ça fonctionne pour la Belgique. Alors, la toque de grand-mère, ils n'expédient pas en Belgique, mais les personnes qui ont besoin de Belgique me contactent en message privé, me disent ce qu'elles veulent et je vous envoie votre commande, ça arrive ici et je vous renvoie. Le robot et le grill, c'est pareil, il n'y a pas d'expédition, donc ça arrive chez moi et je vous le renvoie. Donc, il y a un petit peu de frais de port, de réexpédition, parce que je choisis quand même une société qui normalement ne vole pas. J'ai expédié un grill et un robot par Mondial Relais et ils m'ont piqué un grill et un robot. Donc, Mondial Relais pour la Belgique, c'est terminé. Mais il n'y a pas de souci, si vous voulez quoi que ce soit en Belgique, moi, je suis là pour m'en occuper et voilà. Alors, la seule chose, c'est que le robot en Belgique, comme dans d'autres pays, la Suisse ou autre,
L'application n'est pas valable pour l'instant. C'est Seb, la maison mère au-dessus de tout ça, qui pour l'instant ne le fournit pas. Par contre, vous avez un problème de SAV avec le robot. Comme c'est la même que le Moulinex, c'est le compagnon haut de gamme, mais pas au même prix, puisque là on est à 1299 et que le compagnon, pour avoir tout ce qu'il y a, il est à 1699. Celui-là, il a, et ceux-là, ils ont tous 5 ans de garantie. Donc, faut savoir que c'est Moulinex compagnon et qu'en France comme en Belgique, si vous avez un souci avec l'un ou l'autre, vous pourrez aller effectivement chez un réparateur en Belgique si vous avez un souci. Ou en France, près de chez vous. On n'est pas obligé de renvoyer obligatoirement le robot. Je touche du bois, je n'ai eu zéro retour de robot l'année dernière sur les 80 et quelques. Le seul problème que j'ai eu, il y en a un qui ne voulait pas marcher, Et finalement, il s'avère, et la personne est là, peut confirmer, c'était un problème d'Internet chez elle. Ça n'avait rien à voir avec le robot. Donc voilà, je trouve que c'est des choses importantes. Autrement, bah, au niveau SAV, vous ne payez pas les frais de retour. Si par hasard, vous avez un souci avec le grill, c'est des choses qui peuvent arriver, un petit bouton qui fond, ceci ou cela. Attention, comment vous l'utilisez? Si c'est le moteur, il est garanti 5 ans. Si vous avez griffé les plaques, ce n'est pas garanti. Hein. Donc, il y a des choses, les plaques sont garanties 2 ans suivant ce que vous faites avec. Et le plat de cuisson aussi. Donc, voilà. Mais le moteur du grill est garanti 5 ans sans payer plus cher. Le robot, c'est pareil. Vous allez l'acheter chez Darty, machin, tout. Il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas d'extension de garantie. Les 5 ans sont garantis tout de suite. Voilà. Et puis, vous avez le sourire de la crémière. Je suis là. Je pense que certaines peuvent le confirmer pratiquement 24 heures sur 24. Même quand je suis à l'autre bout du monde, je réponds. Avec un peu de décalage, mais je réponds. Voilà. Mais normalement, là, je ne pars plus trop en vacances. Je vais essayer de rester un petit peu avec vous. Et puis, de toute façon, même si je pars, voilà. Je pense par contre que le mercredi 20... fin juin, là, le 26 ou 27, je ne serai pas là parce que je vais faire une démonstration, effectivement, dans le Maine-et-Loire. D'où l'obligation de passer les commandes vers le 25 ou 26. Oui, c'est mieux. Enfin, de toute façon, avec Internet, je peux valider. Alors, ne passez pas les commandes quand vous voulez un robot ou un grill. Ne passez pas les commandes directement sur la boutique. Vous n'aurez pas les cadeaux. Attention, si vous voulez les cadeaux d'hôtesse, si vos amis veulent commander, vos amis me contactent directement et me disent que c'est vous qui êtes la marraine. Dans le colis, il y aura le cadeau qui sera pour vous. Hein. Pour les cadeaux d'hôtesse, il y a quand même des très beaux cadeaux WMF. Donc ça, c'est très important aussi, ne pas passer par la boutique. Alors, si vous voulez changer de grille, si vous voulez changer de plat, si vous voulez, voilà, ça oui, ce sera par la boutique. Si vous voulez le petit minuteur, il y a des tas de choses sur la boutique. Effectivement, vous passez directement par la boutique avec mon code. Mais autrement, pour commander robot ou grill, il faut, faites ce que vous voulez, mais c'est un peu dommage de pas avoir les cadeaux. Et puis c'est mieux de passer par la conseillère. Voilà. Donc, mais de toute façon, on ne peut pas commander sans conseillère. On est obligé d'avoir un code conseillère. D'accord. Donc, voilà, si vraiment vous voulez la boutique et vous ne voulez pas me voir, eh ben, vous me demandez mon code et puis je vous le donnerai. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai gardé assez longtemps. Nous, vous avons gardé assez longtemps. On a un petit peu de rangement à faire, mais ça va aller très vite parce qu'elle a été adorable. Elle a tout nettoyé au fur et à mesure. On vous souhaite un bon samedi soir. N'oubliez pas que c'est samedi soir, donc on pense à tout ce qu'on a fait bien. Donc, c'est apéro. C'est apéro. Voilà. Surtout en vacances. Et je vous donne rendez-vous toute seule demain matin à 10h, parce qu'elle a dit qu'elle dormait demain. Non, voilà. Et normalement, si tout va bien, elle revient mercredi. C'est vraiment si tout va bien. Si elle ne s'est pas barrée parce qu'il pleut trop. Voilà, c'est ça, la Bretagne, la Bretagne, je crois que c'est partout pareil, il pleut partout. Ouais. Donc voilà, on vous embrasse très très fort, merci pour votre fidélité, merci pour vos partages. Et on vous donne rendez-vous demain à 10h pour celles qui veulent, sinon en replay ou sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao!